Le changement climatique se réfère aux variations à long terme des conditions météorologiques moyennes qui affectent la planète. Sont mesurées notamment les températures, les précipitations, les vents et les événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les tempêtes et les inondations. Ces variations sont principalement causées par des changements dans les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement le dioxyde de carbone, CO2, émis principalement par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, la production de ciment et la déforestation. Les effets du changement climatique peuvent inclure des modifications dans les modèles de température et de précipitation, une élévation du niveau de la mer, une fonte des glaciers et une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes. De nombreuses industries peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé humaine, à la fois directement et indirectement. Certaines industries sont particulièrement remarquables pour leurs effets négatifs sur la santé humaine. L'industrie des combustibles fossiles, l'extraction, la production et l'utilisation de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz peuvent entraîner une pollution de l'air et contribuer au changement climatique, ce qui peut avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine. La pollution de l'air est associée aux maladies respiratoires, aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et à d'autres problèmes de santé. L'industrie chimique, les produits chimiques utilisés dans la fabrication, l'agriculture et les produits de consommation peuvent présenter des risques importants pour la santé humaine, en particulier s'ils ne sont pas correctement réglementés. L'exposition à des produits chimiques tels que les pesticides, les retardateurs de flamme et les solvants industriels a été associée au cancer, à des problèmes de reproduction et à d'autres problèmes de santé. L'industrie minière, les opérations minières peuvent entraîner une pollution de l'environnement, une destruction de l'habitat et le rejet de substances toxiques telles que le mercure, le plomb et l'arsenic. L'exposition à ces substances peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment des lésions neurologiques, des cancers et des maladies respiratoires. L'industrie agricole, les pesticides et les engrais utilisés dans l'agriculture peuvent contaminer le sol, l'eau et les aliments et présenter des risques importants pour la santé humaine. L'exposition à ces produits chimiques a été associée au cancer, à des problèmes de développement et à d'autres problèmes de santé. Industrie de la gestion des déchets, l'élimination inappropriée des déchets peut entraîner une pollution de l'environnement et des risques pour la santé. Les décharges et les incinérateurs peuvent rejeter des produits chimiques et des gaz nocifs dans l'air et dans l'eau, ce qui peut nuire à la santé humaine. Les conséquences du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier. Le réchauffement de la planète provoque des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies et des tempêtes plus fréquents et plus intenses. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires entraîne une élévation du niveau des mers, ce qui a déjà des répercussions sur les communautés côtières. Le changement climatique affecte également la biodiversité, de nombreuses espèces luttant pour s'adapter à des environnements en mutation rapide. Ces effets ne causent pas seulement des dommages écologiques, mais aussi des problèmes économiques et sociaux. Bien que le problème du changement climatique soit complexe, il existe de nombreuses solutions permettant d'en atténuer les effets. L'une des plus importantes consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, nous pouvons passer à des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Nous pouvons également réduire notre empreinte carbone en conduisant moins, en adoptant un régime alimentaire à base de plantes et en réduisant nos déchets. Une autre solution que vous n'avez peut-être pas envisagée est le rôle des vêtements biologiques. La production de vêtements conventionnels est l'une des industries les plus dommageables pour l'environnement dans le monde, avec d'énormes quantités d'énergie et de ressources utilisées pour produire et transporter les vêtements. La production de coton conventionnel, par exemple, utilise de grandes quantités de pesticides et de produits chimiques qui peuvent polluer les cours d'eau et nuire à la faune et à la flore. En choisissant des vêtements biologiques, vous soutenez des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de teintures naturelles et la réduction de l'utilisation de l'eau. En outre, les vêtements biologiques peuvent être fabriqués à partir de matériaux tels que le bambou ou le chanvre, dont la culture nécessite moins de ressources. En conclusion, le changement climatique est un problème crucial qui nécessite une action urgente. En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, en protégeant les habitats naturels et en modifiant notre mode de vie, nous pouvons contribuer à résoudre ce problème. L'achat de vêtements biologiques peut être un moyen de contribuer à un avenir plus durable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle a été instructive et utile.